Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Mondial de l'Auto. Nous sommes à la Porte de Versailles à Paris. Effectivement, vous allez voir des nouveautés, des nouveaux modèles, des nouvelles motorisations, mais aussi vous allez voir des innovations en lien avec l'agriculture. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Message à l'attention de notre public féminin. La production présente par avance ses excuses si votre homme grimpe à plusieurs reprises au plafond au cours de cette émission. Car en effet, c'est parti pour un défilé de voitures toutes plus canons les unes que les autres. On passe d'abord sur le stand de Jeep. Le Grand Cherokee nous réserve quelques nouveautés. Côté voiture mythique, Ford nous exhibe fièrement sa Mustang et une bonne nouvelle nous attend au passage. On est également passé chez Faurecia et vous allez voir une utilisation pour le moins originale du chanvre. Sans oublier un flashback au sommet de l'élevage. Connaissez-vous la soudure au plasma? Non? Ou encore le nouveau cap de Deltex? Non plus? Ah bah ça tombe bien, puisqu'on vous en parle. Ok, vous êtes bien accrochés, c'est parti! Top départ pour cette émission consacrée au Salon Mondial de l'Automobile à Paris. Kuhn lance son nouvel andaineur. Le GA 13131 à 4 rotors vient compléter l'offre des andaineurs à dépôt central du groupe alsacien. Ce nouvel andaineur présente des caractéristiques distinctives, parmi lesquelles la fonction boost visant à accélérer le régime de rotation des rotors avant pour optimiser la formation des andains. Le GA 13131 à 4 rotors se distingue aussi par une compacité au transport lui permettant de rester dans le gabarit routier autorisé sans aucune manipulation de bras ou de protecteur. Est-il possible de réaliser une protection phytosanitaire sur une superficie de 1000 hectares en 24 heures? La réponse à cette question est désormais oui. Enfin, pour cela, il faut être aux commandes du plus gros pulvérisateur traîné d'Amazon, l'UX 11200. Car il s'agit tout simplement d'un record du monde en la matière. Le départ de l'épreuve avait été donné le 3 octobre dernier à midi sur une exploitation agricole allemande. Équipé d'une rampe Super L de 40 mètres de large et tracté par un tracteur Fendt de 330 chevaux, sa vitesse de déplacement en fonction des conditions météorologiques et conditions du champ se situait entre 13 et 15 km/h durant la journée. La nuit, grâce à une absence de vent et à la formation de rosées sur les plantes, sa vitesse s'élevait à 17 km/h. L'Elli France dévoile un nouveau modèle dans sa gamme de faucheuses frontales légères. D'une largeur de fauche de 2,20 m, la Elli Splendimo 220 FA est idéale pour travailler dans les conditions montagneuses. Ses 390 kg permettent à cette frontale d'être attelée à des tracteurs de faible puissance. Pelinck, le spécialiste des enjambeurs viticoles, est racheté par Somfy, un groupe spécialisé dans l'ouverture automatisée de volets. Non, ceci n'est pas un canular, c'est même une suite logique de l'opération entamée il y a 3 ans où Somfy avait déjà repris 47,23% des parts détenues par Roger Pelinck. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques années, toutes les nouveautés ou presque étaient flexfuel. Aujourd'hui, ça a bien changé puisque le Grand Cherokee de Jeep, ça a été le seul véhicule homologué flexfuel en 2014. Olivier Bollarac, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable marketing chez Jeep. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'avantage qu'il peut avoir à choisir une motorisation flexfuel, donc capable de reconnaître la proportion de biocarburant dans le carburant, quand on a un véhicule comme ça qui coûte près de 70 000 euros? Alors, l'avantage, il est simple, hein, c'est que normalement, on a un malus de 8 000 euros sur ce type de véhicule et grâce au flexfuel, on a un abattement. Et on paye au final 150 euros. Donc on fait une économie de 7 850 euros dans les faits. Et puis aussi en matière de carte grise, je crois qu'il y a des économies. Exactement. Finalement, on a une économie sur la carte grise puisque en fonction des régions, on va payer 50% du prix de la carte grise, voire gratuité complète selon la région. Alors quand on roule au biocarburant, on consomme plus au 100 km par exemple, mais en revanche le prix à la pompe est moins cher. Tout à fait, le prix à la pompe est moins cher puisque il sort à 90 centimes le litre contre environ 1,50€ pour du sans-plomb. Donc il y a une vraie économie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors à présent on va mettre le cap sur Clermont-Ferrand, vous allez voir, on vous a trouvé une innovation. Nicolas Duncan, bonjour. Bonjour. Alors quel est votre métier? Moi je suis designer, objet, mobilier, luminaire. Et dans l'entreprise dans laquelle je travaille, donc Wesley Aissoir, on a une technologie de découpe du métal, du plasma, qui s'appelle le plasma, et qui offre un champ de possibilités créatives et techniques assez illimité et pour lequel je me suis passionné. De façon simple, quel est le principe? Le principe, c'est un arc électrique, une flamme en quelque sorte, très localisée, qui va chauffer le métal jusqu'au point de fusion. Et l'air comprimé qu'on amène en même temps va le pousser pour l'éjecter par le bas, donc c'est une séparation de la matière. Quel est l'intérêt de ce système de découpe par rapport aux autres?
Alors, initialement, on connaissait l'oxycoupage, qui est un procédé par flamme, donc d'oxygène et d'acétylène, qui est très très chaud, qui diffuse beaucoup de chaleur dans la matière, qui est assez complexe parce qu'il faut avoir des abonnements de gaz, il faut changer les bouteilles, c'est un peu compliqué. Et là, on a un appareil électrique qu'il suffit d'allumer, 2 secondes après, on est capable de découper en finesse proprement des matériaux, dans le cas des outils qu'on a ici, de 0 à 25 mm à peu près. Et aujourd'hui, c'est un outil qui s'est démocratisé, un agriculteur pour en faire l'acquisition sans souci? Oui, alors le plasma, maintenant, il y en a pour tous les budgets. Par internet, on peut trouver des machines à 400 € qui ont des petites capacités de découpe en épaisseur et qui sont pour des usages amateurs, jusqu'à des machines comme les machines qu'on distribue ici, qui sont garanties 2 ans, qui ont un suivi professionnel, qui permettent de travailler longtemps, toute la journée si besoin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça y est, on a enfin trouvé une ensileuse ou une moissonneuse batteuse ici dans le cadre du Mondial de l'Auto. Et effectivement, vous en avez entendu parler, la coopérative Interval a signé un accord, une joint venture avec Forestia Interior System pour développer du chanvre pour les habitacles, pour l'intérieur des voitures. Alors, je suis en compagnie de Benoît Landier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'innovation chez Forestia Interior System. Si on utilise aujourd'hui le chanvre, c'est pourquoi? Pour des raisons écologiques ou économiques? En fait, les deux. On utilise les propriétés du chanvre pour faire une matière qui est vraiment optimisée pour nos besoins, de manière à alléger les véhicules en diminuant les épaisseurs de nos pièces. Ça veut dire qu'on va avoir un mélange à la fois de chanvre et de polypropylène? Exactement. Et l'alliance des deux va nous permettre d'avoir des propriétés matières qui sont meilleures que l'on utilise pour nos pièces. Ça veut dire que c'est plus résistant, le chanvre, que le polypropylène? Que le polypropylène seul, oui. Et concrètement, on va le retrouver déjà sur certains véhicules qui sont commercialisés? Exactement, il est déjà en série sur les panneaux de port de la 308. Merci beaucoup. Je vous en prie. Savez-vous qu'à Sarlandes-Rodun, on a une véritable pépite, on a une entreprise très innovante. Raphaël Arrigoni, bonjour. Bonjour monsieur. Alors Deltex, le problème c'est que personne ne connaît. Si, Deltex, c'est très connu déjà dans le monde agricole, particulièrement dans le palissage, à travers des fils et des petits câbles, sur de très nombreuses applications, toutes aussi variées les unes que les autres. Ça va du parc aventure au câble maritime, en passant par le fil de palissage pour la vigne ou l'arboriculture. Parce que effectivement, vous avez inventé, je ne sais pas comment il faut dire, un câble assez particulier. De quoi s'agit-il? Oui, notre fondateur, monsieur Chevrier, a mis au point un câble en polyester avec une mémoire élastique, dont le principal intérêt sera d'offrir une alternative aux tubulaires galvanisés dans le monde de l'élevage. Alors concrètement, de quoi est-il fait ce tube? Alors de monofilaments en polyester avec une mémoire élastique et une grande résistance bien sûr à la rupture. L'idée c'est d'avoir un matériau qui est insensible à la corrosion, qui va résister aux ultraviolets et qui surtout va pouvoir absorber les chocs lors du contact avec les animaux, ce qui fait qu'on va avoir un grand confort et beaucoup moins de stress pour l'animal. Et aujourd'hui il est déjà mis à l'épreuve dans les océans, dans les mers? Tout à fait, dans des applications maritimes, le câble qui nous sert 25 mm gainé est un câble à la base d'usage maritime. Il est toujours pour l'arrimage de bouées en mer des Galapagos à la mer du Nord. Mais il n'y a pas la mer à Sarlat? Non, il n'y a pas la mer à Sarlat, mais nous effectuons aujourd'hui 65% de notre chiffre d'affaires, même si nous sommes une petite PME française. Il y a un vrai savoir-faire à Sarlat dans la maîtrise de la matière pour apporter des solutions techniques là où il y a besoin. Alors vous le proposez aujourd'hui en agriculture sous forme de cornadie ou sous forme de séparateur de logettes. Quel est l'intérêt pour l'agriculteur ou pour les animaux? Alors, il y a de nombreux intérêts, mais aujourd'hui, à offrir un matériau surtout qui est souple, qui va préserver l'animal, c'est créer des conditions où l'animal aura moins de stress, où il va être dans une situation la plus confortable possible. Eh bien, par exemple, dans le séparateur pour logettes, pour que la vache puisse ruminer et faire du lait, un maximum de lait, puisque c'est le but. Et dans des applications comme le cornadie libre-service ou les barres au garrot pour les taurillons, c'est avoir des animaux qui ne sont pas marqués et qui vont aller manger dans de bonnes conditions, sans risque de champs magnétiques qui sont transmis par le métal et sans être marqués au niveau des épaules, du cou, etc. Puisque les animaux sont comme des hommes, ils ont besoin d'être respectés et qu'on prenne soin d'eux. Christian Tellet, alors vous, qu'est-ce qui vous a semblé intéressant dans ce produit? Déjà, sa légèreté, sa facilité de pose, une structure beaucoup moins imposante, lourde, donc le contraire du cornadie classique, sa souplesse, sa légèreté, et voilà, comme disait monsieur, le côté peu blessant, pas blessant. Voilà. Pas de bruit. Pas de bruit surtout, parce que dans les élevages, il y a toujours
trop de bruit pour la paix des animaux. Encore faut-il qu'il ne coûte pas plus cher que la solution existante. Et non, c'est le cas et c'est aussi l'un de nos avantages, c'est qu'on a un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant, aussi bien par rapport aux logettes, où il faudra à peu près compter sur une installation neuve à 140 euros la place tout équipée, et avec sur des systèmes de cornadie avec un câble qui est à 6 euros le mètre linéaire, donc tout à fait raisonnable par rapport aux avantages techniques qu'il apporte. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Bon salon. Vous vous souvenez, aux États-Unis, on avait roulé avec une Ford Mustang. C'était vraiment inoubliable. Ça y est, aujourd'hui, elle va être commercialisée en Europe. Olivier Galic, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quand c'est qu'on va voir la Ford Mustang version européenne? Bon, là, on la présente pour la première fois dans ses spécifications européennes sur le mondial de l'automobile. Mais sur nos routes françaises, ça sera à partir de l'été prochain. Alors, elle va être disponible dans les mêmes modèles qu'aux États-Unis? Non, il y aura quelques différences. Donc, elle sera disponible en deux carrosseries, le fastback qui est le coupé et le convertible qui est le cabriolet. Ensuite, deux motorisations, le 2,3 litres EcoBoost qui va développer un peu plus de 310 chevaux et le V8 5 cylindres qui, lui, va développer 418 chevaux. Tout ça pour un prix de... Un prix de départ sur le fastback, donc la version coupée, de 35 000 euros pour le 2,3 litres EcoBoost et pour le V8 mythique autour de 40 000 euros. Merci beaucoup. Donc plus que quelques mois à attendre. Voilà, c'est devant Léo Lab Concept de Renault que notre émission Power Boost se termine. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les extras de notre émission en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.